Alors, pour cette deuxième jour de la première ronde, la résolution du gouvernement est à l'effet qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada bonifie le programme de la sécurité de la vieillesse. Alors, pour une période de 5 minutes, j'appelle le premier ou la première ministre. Distingués collègues au gouvernement, distingués collègues à l'opposition, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter une motion dont nous sommes très fiers et qu'il s'agit qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada bonifie le programme de la sécurité de la vieillesse. Aujourd'hui, le gouvernement est extrêmement fier de vous présenter cette motion, car nous sommes confrontés à une différence majeure qui avait été attendue depuis un long moment. Nous avons un inversement de la pyramide des âges. Donc, actuellement, nous avons 16,4% de la population qui est âgée de plus de 85 ans et une proportion de 16% pour la population âgée de moins de 16 ans. Donc, Monsieur le Président, actuellement, le programme de la sécurité de la vieillesse a été créé en fonction de demandes et de besoins du passé. Le statu quo n'est plus acceptable car, avec le changement de la pyramide des âges, nous sommes devenus en obligation d'offrir un nouveau service à notre population afin d'obtenir un bien commun durable. Je voudrais maintenant vous parler de modalités qui expliqueront comment est-ce que cette motion sera appliquée. Premièrement, notre motion touche uniquement les rentes du programme de sécurité de la vieillesse. Donc, nous voulons offrir un investissement de 4% sur une durée de 7 ans qui permettra de couvrir une plus grande part de la retraite des aînés. Nous voulons que ce soit uniquement la part du gouvernement qui soit augmentée et l'âge d'entrée à l'admission de 65 ans est maintenu. Donc, Monsieur le Président, pour le bien commun durable, le bien commun durable passe par 4 arguments qui vont vous être présentés. Je vais vous parler des aînés en premier lieu, de la jeunesse en second lieu, de l'impact pour le gouvernement et un 4e argument sera apporté par mon 2e député. Donc, pour débuter avec les aînés, les aînés ne veulent absolument pas devenir un fardeau pour leur famille. Et le gouvernement veut leur donner les outils pour pouvoir être autonomes lors de leur retraite, autant financièrement qu'avec une aide du gouvernement. Donc, nous voulons absolument éviter toute diminution de leur qualité de vie. Actuellement, les personnes âgées sont confrontées à des coupures dans les systèmes de santé, à des conditions dans les foyers plus difficiles. Donc, nous voulons leur permettre d'avoir un revenu supplémentaire qui peuvent leur permettre d'avoir une qualité de vie de loin supérieure. Et comme vous le savez, les personnes âgées ont investi pour leur retraite en fonction d'une espérance de vie qui, à la base, était plus aux alentours de 85 ans. Alors que maintenant, en 2016, l'espérance de vie pour l'homme est de 89 ans et pour la femme de 92 ans. Donc, ces années de vie supplémentaires n'étaient pas prévues lorsque la population a prévu son argent pour la retraite. Le gouvernement veut donc aider cette population à avoir une meilleure qualité de vie pour pouvoir être, bien sûr, un bien commun durable pour cette population âgée. Également, la jeunesse, qui, nous le savons, sera la population âgée de plus tard. La jeunesse, aujourd'hui, a une difficulté d'économiser. Premièrement, parce qu'elle aussi aura une espérance de vie plus large, plus longue, et qu'ils devront donc économiser plus pour pouvoir avoir une qualité de vie intéressante lors de la retraite. Donc, nous voulons que cette jeunesse puisse avoir un soutien du gouvernement afin de pouvoir économiser de façon raisonnable maintenant, tout en pouvant continuer à avoir les projets qui leur tiennent à cœur, avoir une maison, fonder une famille et pouvoir développer des entreprises. Si nous ne donnons pas les outils à cette jeunesse pour pouvoir assurer une retraite confortable, ils ne pourront pas réaliser tous les projets qui leur tiennent à cœur lors de leur vie active. Donc, nous voulons absolument que pour les aînés et pour la jeunesse, créer un bien commun durable avec notre motion. Il y a urgence d'agir, Monsieur le Président, car actuellement, avec cet inversement de la pyramide des âges, nous sommes confrontés à une dure réalité qui devra rapidement être comblée. Le dernier argument que je voudrais vous apporter est l'argument du gouvernement. Actuellement, le gouvernement se doit de pouvoir aider cette population. Il est dans son devoir de veiller au bien commun de sa population.
Donc, le gouvernement assurera ainsi, comme je le disais, une qualité de vie meilleure pour ses aînés et un avenir plus radieux pour sa jeunesse. De plus, à l'international, l'image du gouvernement sera utilisée comme exemple, car un gouvernement qui est proactif dans la retraite de sa population est un gouvernement qui a à cœur sa population et ainsi peut créer une vie économique plus florissante et plus efficiente. Donc, Monsieur le Président, pour que l'urgence d'agir dans le bien commun durable de notre population soit assurée, nous vous demandons d'accepter cette motion pour qu'il y ait une bonification de 4 % du programme de la sécurité de la vieillesse. C'est essentiel pour nos aînés, c'est essentiel pour notre jeunesse et pour le gouvernement, c'est un plus. Donc, Monsieur le Président, le bien commun durable commence aujourd'hui pour que ça puisse durer longtemps. Merci. Merci. Et maintenant, pour une période de 5 minutes, j'appelle le chef de l'opposition. Monsieur le Président, collègues au gouvernement, collègues à l'opposition, bonjour. Nous sommes ici réunis car le gouvernement du Canada croit qu'il faut bonifier le programme de la sécurité vieillesse. Ici, du côté de l'opposition, nous croyons que le statu quo peut être envisageable pour tous les Canadiens et Canadiennes. Tout d'abord, mes collègues au gouvernement parlaient des aînés et nous ont énoncé que les aînés avaient des mauvaises conditions à l'intérieur des foyers, que les conditions pour les aînés étaient très difficiles. Tout d'abord, pour ce faire, nous croyons que ce n'est pas nécessairement en augmentant le pourcentage de rente de 4 % sur 7 ans, qu'on va aller directement travailler chez les résidences pour personnes âgées ou les endroits où les aînés sont traités. On devrait directement aller attaquer le problème. Si nous croyons que les aînés sont maltraités, nous devrions, en concertation avec les provinciales, car le domaine de la santé est évidemment une compétence provinciale, nous devrions travailler avec eux autres dans le but de trouver une façon de mieux s'occuper de nos personnes âgées. De plus, mes collègues nous parlaient que les différents impacts que leur projet de loi va avoir lieu pour le gouvernement. Oui, à l'international, c'est sûr que quand on aide notre population, on a toujours une bonne opinion. Mais est-ce que augmenter des dépenses du gouvernement vaut la peine de simplement avoir une meilleure image à l'international? C'est une question qu'on se pose à l'opposition. On croit qu'en partie que le gouvernement veut vraiment faire une question d'image et va aller avec une façon facile d'aller investir et simplement pour se donner une belle image politique. De notre côté, à l'opposition, on croit que tout d'abord, les gouvernements, divers gouvernements provinciaux offrent déjà différents appuis envers les personnes âgées. On n'a que prendre par exemple au Québec la régie des rentes. Donc, on croit que les gouvernements provinciaux investissent déjà assez pour nos aînés en ce moment. Nous ne croyons pas que le gouvernement canadien devrait augmenter les dépenses de plus pour résoudre aux différents problèmes pour les aînés. De plus, on parle également de nos différentes générations futures, mais il faut, comme le gouvernement le disait, on a vraiment une certaine crise en ce moment au fait qu'on a des très grands problèmes de, on pourrait appeler ça, de repopulation, car on voit l'augmentation de la démographie au niveau du Canada. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. On croit que les jeunes vont posséder aussi un fardeau pas uniquement sur le fonctionnement du pays, mais aussi un très grand fardeau fiscal envers le Canada, car les jeunes vont devoir payer pour ces différents programmes-là que nous voulons offrir. Étant donné, comme on disait, que la population augmentait, on croit aussi que automatiquement les dépenses déjà à la base allaient augmenter. Parce qu'étant donné un plus grand nombre, le gouvernement, je ne crois pas qu'il allait faire de discrimination sur une personne plus qu'une autre. Donc, c'est des programmes qui sont déjà accessibles à toutes les personnes âgées, la majorité des personnes âgées. Donc, ce qui fait en sorte qu'automatiquement, les coûts étaient déjà augmentés. Donc, si on augmente encore, c'est une question qu'il va falloir qu'on se pose. C'est de l'argent qui doit être trouvé quelque part,
que le gouvernement ne nous a pas mentionné les façons qu'ils allaient trouver ces différents montants-là. Donc, c'est une question aussi qu'on se pose, parce que si on augmente d'une façon que c'est la part gouvernementale, nous savons tous que l'argent du gouvernement provient des contribuables. Donc, il va falloir d'une certaine façon soit augmenter le fardeau fiscal de nos contribuables ou simplement couper dans certains programmes pour pouvoir augmenter, car nous savons tous que l'argent ne pousse pas dans les arbres, comme on dit. Je voudrais, pour conclure, nous repositionner à l'opposition. Nous sommes contre qu'il soit résolu que le gouvernement bonifie le programme de la que le gouvernement du Canada bonifie le programme de la sécurité de vieillesse pour des questions où, pour des raisons que les provinces ont déjà un très grand pouvoir par rapport à ça, investissent déjà, peuvent aussi investir dans les conditions des personnes âgées. Et de plus, nous pensons que le fardeau de la que nous allons littéralement mettre le fardeau sur les générations futures. Donc oui, ils veulent vouloir investir, mais il faut également penser à est-ce qu'ils ont les moyens d'investir pour eux et d'investir pour les autres en même temps. C'est la question qu'on se pose. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Et maintenant, j'appelle le premier représentant du gouvernement pour une période de 3 minutes. Monsieur le Président, distingués collègues, aujourd'hui, l'opposition se dit étant contre la motion proposée par le gouvernement. Ils disent que le statu quo est envisageable. Envisageable, Monsieur le Président, le statu quo n'est pas envisageable, il n'est pas suffisant pour les besoins de notre population. Ils nous disent qu'il est justement envisageable, mais pourtant non, Monsieur le Président, puisque ça fait de ça nombreuses années que le système de service de soutien aux personnes âgées n'a pas été changé, n'a pas été bonifié. Pourtant, Monsieur le Président, à chaque année, nous faisons face à une inflation d'autour de 2 %. Donc, ces personnes âgées, Monsieur le Président, ils doivent continuer, leur fardeau de la vie, leur coût de la vie augmente d'année en année. Pourtant, les rentes ne sont pas augmentées. Ceci étant dit, Monsieur le Président, j'aimerais d'abord réfuter les arguments proposés par l'opposition pour ensuite revenir et reconstruire les arguments de ma première ministre. On nous a parlé d'abord que ce n'était pas nécessaire puisque nous avions certains services qui étaient offerts, comme par exemple le régime des rentes au Québec. L'opposition semble se mélanger avec le fédéral et le provincial puisque ceci, c'est quelque chose qui est occupé, qui se fait par le provincial. Ils l'ont même dit, la province de Québec, avec la régie des rentes. Et bien évidemment, eux ont un budget pour donner à leur population, mais le fédéral aussi doit faire sa part. Donc, ceci n'a pas de lieu dans le débat. C'est un autre débat. Ils disent aussi que nous devrions mieux s'occuper des personnes âgées, sauf qu'ils ne proposent pas d'alternative concrète. Mais ceci, Monsieur le Président, nous pourrions en discuter dans un autre débat. Ceci ne fait pas partie du cadre du débat. De notre côté, ils nous parlent d'une question plutôt économique. Ils nous disent que ça sera trop cher. On nous demande où allons-nous trouver l'argent et ainsi de suite. Eh bien, Monsieur le Président, le budget du fédéral est de 290 milliards de dollars. Le budget alloué aux personnes âgées sera seulement bonifié. Il n'y aura pas de question de remettre ce fardeau sur les générations futures et sur notre jeunesse. En aucun cas, ceci n'a été mentionné dans nos modalités. Donc, bien évidemment, Monsieur le Président, les jeunes ne seront pas touchés par cette augmentation, puisque c'est seulement une répartition du budget qui se fera différemment. Maintenant, pour reconstruire les arguments de la première ministre, eh bien, bien évidemment, pour le bien commun durable, pour nos aînés, il faut qu'ils puissent conserver une autonomie. Nous l'avons dit, ils ne peuvent pas faire leur projet, car, Monsieur le Président, lorsqu'ils ont commencé à épargner pour leur retraite, ils ont épargné pour une période de 15-20 ans, pas pour 25 ans. Pourtant, leur espérance de vie est augmentée. Donc, ils doivent doublement épargner ou travailler à temps partiel, ce qui n'est pas optimal pour des gens dans cette situation. Ils ne veulent pas non plus être un fardeau pour la famille, qui ceux-ci n'ont pas coutume de les prendre en charge. Au niveau de notre jeunesse maintenant, pour le bien commun durable, eh bien, ceux-ci doivent épargner de plus en plus pour leur retraite, nous le savons. Pourtant, la génération X et Y sont reconnues pour faire plus de dépenses, pour dépenser plus que les générations d'avant. Donc, ils doivent épargner encore plus. Pourtant, ce n'est pas dans leur coutume. Et, Monsieur le Président, si l'espérance de vie augmente, eh bien, ceux-ci l'espérance de leur vie à eux augmentera encore plus, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, comme Roosevelt l'a déjà dit, la seule limite à notre réussite de demain sont nos doutes d'aujourd'hui. L'opposition a des doutes, mais, Monsieur le Président, le gouvernement est certain de sa réussite de demain. Donc, pour le bien durable, nos aînés, notre jeunesse, notre gouvernement, Monsieur le Président, merci.
Merci. Et maintenant, j'appelle le premier représentant de l'opposition pour une période de 3 minutes. Monsieur le Président, membres du gouvernement, membres de l'opposition, j'aimerais rappeler un certain point. Nous sommes ici pour la bonification du programme de la sécurité de vieillesse. Bien sûr, mon premier ministre... Non, excusez-moi. Le président de l'opposition a fait part du gouvernement du Québec, bien sûr. Nous voulions juste évoquer un point que, bien sûr, le Canada est un beau et grand pays. Par contre, chaque province fait partie de ce pays-là. Donc, il est bel et bien important que chacun mette à sa disposition tout ce qu'il puisse faire pour, bien sûr, avoir et permettre une belle qualité de vie à ses aînés. Premièrement, j'aimerais apporter un certain point économique qui est, bien sûr, la population qui est très vieillissante. Excusez-moi. Les aînés sont beaucoup favorisés pour aller en voyage. Bien sûr, ce ne sont pas tous les aînés qui puissent se permettre ces beaux voyages, que ce soit en Europe, mais bien sûr, on a un très grand bassin d'aînés qui partent soit vers la Floride ou vers les pays chauds, que ce soit au Mexique ou seulement aux États-Unis, si je peux dire, en Arizona. Par contre, c'est vraiment une lacune, puisque c'est notre argent, c'est l'argent du gouvernement fédéral qui est donné à nos Canadiens, à nos habitants, à notre population, puisqu'elle est dépensée dans un autre pays. Donc, c'est un argent qu'on leur donne, bien sûr, pour que ces gens-là puissent bien manger, se loger, se nourrir. Nous, l'opposition, nous comprendons parfaitement la motion pour les gens qui sont réellement dans le besoin. Par contre, on a quand même une très grande variété de gens qui sont pas nécessairement dans le besoin. Donc, c'est vraiment ce point-là que nous voulons vraiment rectifier parce qu'il est vraiment nécessaire que ce soit vraiment les gens qui ont le besoin, les gens qui ne sont pas capables d'arriver à la fin du mois, qui ne sont pas capables de se payer un café, qui ne sont pas capables d'arriver, qui doivent emprunter. Donc, c'est vraiment, nous voulons vraiment que le gouvernement se spécialise vraiment là, pour les gens qui sont dans le besoin. Exemple, on peut penser un Québécois moyen ou quelqu'un de l'Ontario qui, lui, peut avoir la sécurité de vieillesse au Canada, puis il décide d'avoir seulement un motorisé ici au pays, puis il part tous les 6 mois restants de l'année dans un autre pays. Donc, l'argent, en fait, cette personne-là, cet habitant-là du Canada, lui ne paye pas ses taxes de maison, ses taxes municipales, n'a pas toutes les dépenses que quelqu'un qui est réellement installé ici. Par contre, puisqu'il est citoyen canadien, aurait possibilité de pouvoir avoir la sécurité de vieillesse. Donc, nous, c'est vraiment le point principal pour l'opposition. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Et maintenant, je demanderai au second représentant du gouvernement pour une période de 4 minutes de bien vouloir s'adresser à la Chambre. Distingués collègues à l'opposition, distingués collègues au gouvernement, Monsieur le Président, aujourd'hui, le gouvernement propose de bonifier le programme de la sécurité de la vieillesse et nous pensons que c'est pour le bien commun durable de notre population. Je vais d'abord émettre le dernier argument de notre gouvernement, puis je vais revenir sur les dires de l'opposition, puis je vais revenir spécifier quelques petits détails que l'opposition ne semble pas avoir compris. Le dernier argument est au niveau des entreprises. Et oui, nous voulons soulever le fardeau qui pèse maintenant sur nos entreprises au Canada. Je m'explique. Tout d'abord, les gens, notre population, sont intelligents pour comprendre que la population est vieillissante et que le nombre de personnes âgées, les aînés, augmente aussi. Donc, ils prévoient plus tard dans leur futur qu'ils vont avoir besoin plus d'argent que le gouvernement n'en sauve pour eux à l'heure actuelle. Donc, ils vont appuyer une certaine pression sur leurs entreprises
pour lesquels ils travaillent pour que ces entreprises-là mettent davantage d'argent sur leurs programmes sociaux, leurs programmes de retraite. Nous, au gouvernement, nous voulons cesser ce fardeau, nous voulons enlever cette pression et prendre ce fardeau sur nos épaules pour que le gouvernement mettre l'argent à la place des entreprises. Si on enlève ce fardeau sur les épaules des entreprises, nous allons avoir des entreprises qui sont plus productives, qui vont avoir besoin de mettre moins d'argent pour leurs employés dans leur système de retraite. C'est le gouvernement qui s'en charge, c'est le travail du gouvernement et nous pouvons avoir des entreprises qui vont être plus compétitives à l'international. Donc, une économie forte qui va minimiser les impacts du vieillissement de la population. Je vais maintenant revenir sur l'argument économique qu'on nous a présenté à l'opposition. Donc, on nous a parlé de certains retraités qui partaient en voyage, M. le Président. Je ne sais pas si l'opposition est contre le fait que ces retraités partent en voyage, parce que c'est ce qu'elle semble avoir dit, donc que l'argent de ces retraités qui vont être dépensés dans des pays étrangers. Nous, au gouvernement, nous ne sommes pas contre les aînés qui partent en voyage, bien au contraire. Nous croyons que c'est un point qui est plus ou moins bien apporté. Nous pensons que les aînés vont pouvoir dépenser leur argent, car c'est pour leur qualité de vie qu'on leur donne leur argent, et ils feront ce qu'ils en veulent. On nous a également parlé, s'ils n'étaient pas trop sûrs, de qu'est-ce qu'on va faire pour les plus pauvres, pour les plus riches. Eh bien, sachez, M. le Président, que le montant qui sera alloué aux aînés sera selon leur salaire. Donc, les plus pauvres recevront une plus grande cotisation et les plus riches un peu moins de cotisation. Donc, oui, au gouvernement, nous sommes conscients de cette problématique et nous agissons en fonction. Au niveau du gouvernement, le troisième argument qui a été apporté par mon gouvernement, nous pensons que le gouvernement canadien doit également montrer l'exemple aux provinces. Donc, oui, nous pourrons rayonner à l'international en proposant ce projet de loi, mais nous pensons aussi montrer l'exemple à nos provinces canadiennes pour qu'ils aillent dans le même sens pour donner plus d'argent, une meilleure retraite à notre population. Qu'est-ce qu'on peut se rendre compte, M. le Président, ici, c'est qu'il y a urgence d'agir, et ça, l'opposition le nie. L'opposition propose le statu quo ou une autre solution, mais pas la solution que nous apportons. Nous avons un plan. Nous avons une population qui est plus vieillissante, nous avons une population qui vit plus longtemps et nous croyons que notre plan est le meilleur. Nous voulions bonifier le programme de la sécurité de la vieillesse. Il est adapté à notre population pour permettre à notre population de vivre des années après leurs 65 ans qui sont meilleures pour notre jeunesse, pour nos aînés, pour notre gouvernement, pour nos entreprises. L'opposition semble nier ce fait. Il ne veut pas réellement le bien commun de notre population. Nous voulons un bien commun qui est durable et nous voulons échelonner notre programme sur 7 ans. Monsieur le Président, merci. Merci. Et maintenant, j'appelle le second représentant de l'opposition pour une période de 4 minutes. Monsieur le Président, collègues au gouvernement, collègues à l'opposition, comme vous savez, on est ici, moi et mes collègues à l'opposition, nous sommes contre que le Canada bonifie le programme de sécurité de sécurité de la vieillesse. En premier temps, je vais vous présenter le dernier argument, qui est toujours économique, oui, mais sur un autre sens, et je vais réfuter les arguments du gouvernement. Alors, le dernier argument est économique dans le sens où le gouvernement dit qu'il va bonifier le programme de sécurité de vieillesse, mais qu'il va prendre le fardeau. Mais quand même, il faut que l'argent vienne de quelque part. Les surplus au gouvernement ne sont pas faramineux. Il faut qu'on prenne cet argent-là quelque part. Qui va payer? Dans quel programme nous allons couper pour bonifier ça? C'est sûr que quelqu'un en bout de ligne va payer la facture. Ils disent qu'ils vont répartir le budget. Encore là, la répartition du budget, ils vont le prendre où et comment? Ça revient toujours au où et comment. Monsieur le Président, ils nous disent qu'ils vont prendre l'argent, qu'ils veulent bonifier, qu'ils veulent aider la population vieillissante. Mais comment? Qui va payer la facture? C'est sûr qu'ils vont prendre l'argent à quelque part d'autre. La jeunesse, je pense que oui, elle va payer. Parce que bon, ils veulent les aider, ils veulent leur donner des outils. C'est sûr que présentement, c'est sûr qu'ils vont payer.
pour la bonification. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, la population va payer. Ils ont déjà de la difficulté à mettre de l'argent dans les programmes. Malgré qu'on a mis sur pied des CELI, des REER pour les aider, c'est quand même difficile. Ils disent également qu'ils veulent, en plus, enlever le fardeau des entreprises. Enlever le fardeau des entreprises. Personnellement, encore là, qui va payer la facture? Il faut qu'ils prennent l'argent quelque part. Ils disent qu'ils vont prendre le fardeau, qu'ils vont répartir le budget. Mais où couperont-ils? Moi, c'est la question que je le pose, c'est la question que j'aimerais entendre. Et ils disent qu'ils veulent quand même augmenter de 4 % sur 7 ans. Le fédéral doit faire sa part. Je pense qu'il le fait déjà, parce qu'il y a déjà un programme qui existe. Mais moi, je pense que le gouvernement fédéral veut faire sa part. Ce n'est pas comme ça qu'on le voit, nous, à l'opposition. C'est la population canadienne doit faire encore plus sa part. Parce que là, ils veulent enlever le fardeau aux entreprises et ils veulent augmenter pour les personnes âgées. Puis en plus, ils veulent aider la jeunesse. Alors là, à un moment donné, il faut savoir comment ils vont le faire. Alors, tout ça, je pense que c'est une question d'économie partout. Oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais en même temps, c'est que des sous qui se promènent d'une place à l'autre, alors c'est certain que quelqu'un va payer pour. Tu as l'exemple d'une famille. Une famille qui a 5 ans, 3 enfants, qui est quand même de plus en plus commun aujourd'hui, qui revient, qu'on revoit beaucoup. Avec tout ce qu'ils ont à payer, déjà les salaires partent beaucoup en impôts, ils en paient déjà énormément. Ils ont de la misère, des fois, ils mettent des petits montants dans des soirées ou soit CELI. Et en bout de ligne, il faut qu'ils payent encore. Mais comment? On ne peut pas augmenter encore les taxes ou on ne sait pas comment. C'est eux qui vont payer ou qu'ils vont couper. Alors, voilà pourquoi que nous ne voulons pas qu'il y ait un boni qui soit mis au programme de sécurité de vieillesse, comme je vous l'ai dit, pour des arguments beaucoup économiques, pour nos familles, pour ce qui s'en vient. Je pense que si on fait ça, c'est simplement pousser le problème encore une fois. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président. Merci. Maintenant, j'appellerai, pour conclure, le Premier ministre à s'exprimer sur le sujet. Merci, Monsieur le Président. Distingués collègues, permettez-moi d'entrée de jeu de revenir sur le dernier argument qui a été présenté par mon second député. Donc, notre argument entreprise. Pour un bien commun au Canada, il est important de pouvoir soulager les entreprises des programmes de financement qu'ils offrent à leurs employés. Un employé au Canada va généralement changer d'entreprise environ 8 fois au cours de son emploi. Donc, si une entreprise pour laquelle il travaille offre un programme de retraite avec des rentes, alors cet employé n'aura pas accès à une retraite pleine puisqu'il ne sera pas resté le temps nécessaire pour pouvoir y accéder. Les entreprises, donc, peuvent offrir des programmes, mais il est difficile pour les employés d'y avoir accès. Si les entreprises offrent des programmes d'investissement volontaire, à ce moment-là, on revient sur le point qui dérange énormément l'opposition, le fait que les gens n'ont pas d'argent. Nous l'avons dit au début de notre discours, la population a de la difficulté à économiser et l'opposition est tout à fait en accord avec ce point. Donc, de proposer que les entreprises offrent un système de contribution volontaire ne règle absolument pas le problème. Nous voulons un bien commun et le bien commun passe par une bonification du gouvernement de 4 %. D'ailleurs, j'aimerais revenir maintenant sur l'ensemble des sujets qui se sont discutés pendant ce débat. Nous avions d'un côté un bien commun pour la population qui, je tiens à le souligner, est réellement le cœur de ce débat, contre une question économique. Bien sûr, l'économie fait partie du problème, car le problème est un manque cruel d'argent à la retraite. Toutefois, contrairement à ce que l'opposition semble penser dans deux de leurs arguments, cette motion est absolument nécessaire. La population est vieillissante, la population est plus importante et actuellement, le programme en place, le statu quo n'est pas suffisant. Donc, il est important que le gouvernement prenne action, qu'il prenne action maintenant pour permettre à la population vieille actuelle et à la jeunesse de pouvoir avoir une retraite
intéressante et une retraite qui pourra leur permettre de s'épanouir. La retraite n'est pas un âge mort, Monsieur le Président. C'est le bel âge, comme on dit. Donc, en résumé, l'opposition est tout à fait en accord avec nous. Il y a un problème. Ils ne sont juste pas d'accord avec la façon dont les fonds vont aller être cherchés. Comme ça a été très bien expliqué par ma première députée, l'argent sera puisé dans un redressement et dans une réévaluation du budget actuel. Donc, la population, ce qui est également une crainte de l'opposition comme du gouvernement, n'aura pas à avoir un fardeau plus important et à devoir économiser plus. Ils ont la difficulté à le faire. Si une population aisée peut se permettre d'investir plus dans sa retraite, tant mieux. Mais nous voulons aider notre population démunie en leur proposant un programme qui leur permettra d'avoir une retraite actuelle, et ce, pour un bien commun durable, pour nos aînés, pour notre jeunesse, oui, pour le gouvernement, mais également pour nos entreprises. Merci. Merci, Madame la Première ministre. Et maintenant, pour 3 minutes, afin de conclure, je demanderai au chef de l'opposition de se présenter à la tribune. Monsieur le Président, collègues au gouvernement, collègues de l'opposition, rebonjour. J'aimerais seulement faire des petites clarifications qui se sont passées au cours du débat. Tout d'abord, en aucun temps, comme certains collègues au gouvernement nous ont mentionné, que nous ne voulons pas aider les personnes âgées, que nous ne sommes pas conscients des différents problèmes. Mais la question qu'on se pose, est-ce que donner plus d'argent est nécessairement la solution à tous ces problèmes-là? C'est un peu la question qu'on pose depuis le début, surtout sur le point de vue économique. Par le passé, avec différentes motions qui s'est passées, on a pu s'apercevoir que donner l'argent nécessairement ne va pas automatiquement avec une augmentation de la qualité des services. Car, comme le gouvernement l'a mentionné plus tôt, il parlait que on voulait aller aider et augmenter les services envers les personnes. Et c'est en investissant, comme j'ai dit précédemment, directement vers les foyers de personnes âgées. Aller aider avec la collaboration des différents paliers gouvernementaux, car on sait qu'il y a des compétences qui sont provinciales, mais pourquoi pas aller, comme j'ai mentionné plus précédemment, aller vous rencontrer ces provinces-là pour trouver des solutions, pour que nos personnes âgées que les préposés pour les personnes âgées prennent mieux soin de nos personnes âgées, que nos personnes âgées puissent, comme le collègue au gouvernement disait, ne plus être un fardeau pour la famille, car d'une certaine façon, l'argent va devoir être trouvé quelque part. Donc, le fardeau va d'une manière ou d'une autre retomber, si ce n'est pas sur la famille directe, sur la population, sur les contribuables canadiens et canadiennes. Donc, c'est pour cette raison que nous croyons qu'il ne faut pas bonifier le régime qui est en cours en ce moment. Qu'il ne faut pas le bonifier, car même si mes collègues au gouvernement disent que ça va être un redressement ou un recalibrage du budget en cours, comme le replacer, il y a de l'argent, comme on l'a dit précédemment, qui va être coupé quelque part. Il y a de l'argent, que ce soit dans un autre ministère, que ce soit dans d'autres programmes gouvernementaux, comme on l'a mentionné précédemment, il y a quelqu'un quelque part qui va avoir moins d'argent dans son enveloppe budgétaire, et ça va avoir une répercussion, que ce soit sur des emplois de Canadiens et Canadiennes, que ce soit sur des privilèges grâce à des services que nous offrons aux Canadiens et Canadiennes, ou même que ce soit de l'argent qui va retourner en moins vers les provinces, peu importe la façon. C'est une façon que le gouvernement va devoir aller chercher cet argent. Donc, nous, c'est pour cette raison que nous sommes contre le programme en ce moment. J'aimerais simplement rapidement remémorer nos arguments. Donc, c'est pour une meilleure économie du Canada, mais aussi pour un meilleur avenir pour notre jeunesse, et ainsi permettre aux Canadiens et Canadiennes de pouvoir vivre pleinement de la façon qu'ils le veulent, sans devoir rien à personne. Merci, M. le Président. Merci. Eh bien, ça conclut la deuxième joute de la journée. Merci aux deux équipes.